Salut tout le monde, ici Neko. Et moi c'est Koshnik. Aujourd'hui on se retrouve sur Unforgiving. On s'était laissé la dernière fois avec la harpe qu'on avait récupérée, avec les notes de musique et notre petit passage ici qui nous permet d'ouvrir des passages avec le triple triangle. Et on avait récupéré la langue et un œil de notre frère écrasé par les rochers. Exactement. Nous sommes vraiment macabres même. Mais le truc, c'est qu'on s'était fait pourchasser par la folle d'aigle. Une vieille folle à cornes qui, le cocher, trouve elle très jolie ou elle est pas moche. Ah, elle est pas moche. Elle est juste très, très bizarre. Effrayante. Oui. Nous pourchasser. En fait, c'est pas elle qui est effrayante, c'est au cri qui est effrayant. Genre, oui. Quand elle vous poursuit, elle est... vous poursuit. Ah, les oreilles. Non, mais c'est... vous la verrez si vous l'avez. Donc, en fait, après quelques recherches, en fait, j'ai découvert tout simplement qu'il fallait simplement retourner... amener la harpe ici, vu qu'il n'y était plus. Avec le beau gigot qui part, là. Hop là, on met l'œil et là. Donc voilà. Ah, c'est dégueulasse. Ici, je promets avec ça. On voit que la harpe récupère un nouveau symbole. On récupère, on se casse vite. Et en plus, la langue, elle va entrer en décomposition après, je suppose. Ah non, c'est pas bien. Chut, ah, non. Donc là, ça blablate. Mais nous, on va aller en arrière. Et en fait... ça blablate. Là où il y avait le dragon, le symbole du dragon, et ben notre harpe en fait a tout simplement récupéré le symbole du dragon. Et donc, à la place de faire les notes ou autre, ben il fallait pas chercher midi à 14h, c'était tout simplement sur la harpe qu'il fallait simplement enclencher. Donc là, je me cavale vite avant que la femme arrive vers nous. Pour l'instant, tout va bien parce que elle n'a pas l'air d'être là. Enfin, je sais qu'elle est derrière, mais quelque part. Tant que le ciel ne se rougit pas, tout ira bien. Donc voilà, le symbole du dragon qui était ici. Et en fait, on avait cherché midi à 14h pour rien, parce que tout simplement, il suffit de rentrer ça, et d'aller directement ici. Voilà. Et là, elle rentre directement les notes elle-même. Ce qui enclenche automatiquement le symbole du dragon. Non, 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 non. Ah ben, la voilà. Bonjour, 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 casse-toi. Regardez, elle est... Enfin, ah. Ses yeux, comme... ah oui, mais elle a ses yeux brûlés, elle. Mais lâche-moi. Elle a pas ses yeux brûlés, elle. Si, si. Ah ouais, bon, en fait, ah. Bof. Ok. Ah. C'était... ça fait partie de la cinématique, ça va. Ah. Ce qui est un bon point, parce qu'au moins, elle est partie. Non, moi, vous l'avez vu. On l'a vu. On l'a pas vu. Non, pas vu, on sait jamais. Voilà. Donc, on voit notre petit radeau qui arrive. Ah oui, on peut descendre. Okay. Finalement, j'en vois, me pose une question. Quoi, tu la trouves belle, la femme? Elle a les yeux cramés. Elle a un beau corps. Donc, là, on a pu constater qu'on s'était fait brûler, mordre le bras. Ben, franchement, beau corps. Donc, on augmente un petit peu le son parce que on n'entend pas des masses. Voilà. On a notre allumette spéciale. Notre petit radeau, on est en train d'aller vers la montagne. Il va couler dans l'eau, le radeau. Non, c'est un radeau magique. Ah, c'est un radeau magique, comme l'art magique. Tout est magique dans ce jeu. Exactement. Oh, c'est joli. Par contre, la femme, elle n'est pas magique. J'aime bien l'effet de la lune. Qu'est-ce qu'il y a? Putain. Aïe. Ah, la lunette! Ça va, on voit assez bien, il n'y a pas de soucis. La lunette, elle n'est pas magique, elle. Non. Ah, voilà la lunette de la femme. On va rallumer une allumette. Frère, c'est toi qui parles de ça. Hein. Moi, je ne parle pas. Ah, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas prendre d'allumette? Wow, non, 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 c'est de la cinématique. Ah, ça fait mal. Je me transforme en arbre. Oui. Ah oui, tu t'es fait mordre aussi. Mais oui. Est-ce qu'on peut voir notre bras? Attends, où est-ce que la lunette? Elle est là, donc. Ah oui. On voit bien le bras là. Bon, on a usé une allumette pour rien, donc on va éviter d'user une autre allumette. Elle est où la montagne lumineuse là? Il n'y a plus de montagne. Attends, la lune est-elle là? Il y avait des arbres ici. Je sais plus. Si, si, il y avait des arbres. Donc la montagne, elle doit être quelque part par ici, mais elle n'est plus lumineuse. Il y a quelqu'un? Je sacrifie une allumette, tant pis. Hein. Ah, oh! Oh, il y a quelqu'un!
T'es gentil, tu me cours pas dessus, à c'est toi. C'est pas la femme, hein. Non, c'est pas la femme. On dirait un mec de la... Ah non. Ah, c'est bon, je... Stop. Oui, ça fait un petit peu mal, oui, effectivement. Oui, c'est ça, moi qui fais peur. Au fléau qui approche. Monsieur. Tu me rassures pas des masses. Non, mais ça y est. Attends, je pourrais soulager ta douleur. En faisant quoi? Attention, parce que si c'est me donner... Ah, la harpe. Tu veux cette harpe? Oh, bah c'est pas un souci, je te la donne gratos. Elle me servira sûrement plus, j'espère. Allez de l'autre côté et donnez-le-moi. Bon. T'inspires confiance ou pas? Oh. Clairement, je lui donne pas l'harpe. Hein. Wow, wow. Il est où mon radeau? Je vois rien du tout. Flotte dans l'air ou dans les eaux maintenant. C'est ça quoi? Regarde, on voit pas du tout le radeau. Non, je pense qu'il fait noir aussi. Je vais pas allumer une allumette, ça sert à rien. Donc, il me demande de lui donner la harpe. Bon, en temps normal, je lui aurais pas donné. Mais j'ai vu un livre, justement, sur dans le village, j'avais vu un livre. Donc, on va allumer une allumette quand même. J'avais vu un livre expliquant que c'est une créature, justement, qui joue du violon. Donc, je pense qu'il n'est pas trop méchant. Mais après, il se fait bouffer. Je vais quand même rester sur mes gardes. Y a quelqu'un? Non, ça c'est pas quelqu'un, c'est un arbre. Un vrai. Alors ici, il faut jouer le dragon et le symbole du triple triangle. Et où est-ce qu'ils sont? Ah ben, il y en a ici, je pense. C'est qui parle? Le mec à distance. Bon, excuse-moi monsieur, mais je vais vite user ça, voilà. Elle est douée quand même, elle joue avec une allumette quasi éteinte. Ça quoi? Elle va se cramer le doigt. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait comment fonctionne la harpe correctement, cette fois-ci, tout ira bien. Il y a assez de lumière pour dire de... Pour l'instant, oui. De ne pas user toutes mes allumettes. Il n'y a personne, hein, j'espère. Oh, bonjour. Vous êtes deux là, vous êtes quand même deux dans l'arbre, là. On est d'accord. Ouais, mais il parle peut-être du mec là aussi. Ah oui, vous. Ah, vous êtes deux arbres côte à côte, c'est mignon. Ah. Ouais, mais t'as pas lu? Si, si, j'ai lu. Je sais pas, il faut lui faire confiance ou pas. Attention, consommation. Entrée interdite, Oda est choisi. Il y a quelque chose derrière? Non, il y a rien du tout. Je suis Oda, allez, j'y vais. T'es pas Odette, toi. Je m'en fous, je suis... Oh, et déjà, d'accord. Odette, c'est un mec, pas une femme. Je suis un homme. Bon, non, c'est pareil. C'est pas vrai, ça, t'es une femme. Ah non, c'est Odette qui choisit, d'accord. Mais je vois que le symbole est là, donc je m'en fous. Odette va choisir une seconde avec une allumette. Je suis la fameuse allumette. Ah, attends. La malédiction. Ah, ben c'est la morsure. Quand elle a donné son baiser à Céré, le poison serait... dans le sang et pourrit l'âme, tordant ses os pour qu'il s'enfonce dans la terre. Enfin, vous vous transformez en un arbre impie. Oubliez qui vous êtes et devenez le ciel pour toujours. Oui, j'aimerais une formule, effectivement. Donc, je prends ma harpe, en même temps que me brûler, tout va bien. Et je lance le petit interlude musical du dragon. Voilà. On peut retourner en arrière. Jusqu'ici, tout... C'est simple. Ça, c'est bloqué, donc ça va. Ça va. Ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Bah, de Foldeck qui me pourchasse. Voilà, Foldeck, c'est là qui m'a foutu les jetons, la première fois. Bah, ça va. Je pense que chaque créature qu'on affronte, on l'affronte qu'une seule fois. Ah! Ah, et là, on a la formule. Ok. Fossif. Fossif, ok, je vois que c'est fossif. Donc, faux.
Sif. C'était joli quand même. Oui, c'est écrit Fossif, ok. Je m'en fous. N'est-ce pas? Bah, ça serait Fossif, mais j'aurais dit pareil, moi. Bah, ça me fait penser à un mot qui veut. Façon de. Bah, c'est plus facile à retenir, surtout. Ah, oui. Ah, on a encore une porte? Ah, bah, purée, t'auras besoin de l'arme, ne lui la donne pas, alors. Enfin, pour l'instant, du moins. Bon, cette fois-ci, on est dans une forêt, entre deux murs, donc. Je pense qu'il n'y aura pas trop de danger, à proprement parler, pas de géant en tout cas. Ça c'était épique quand même. Il est où? Il n'y aura pas trop de danger, pas de géant, putain le gros. Attends. Il est où? Ça nous booste le karma. Oui, c'est le karma ça, effectivement. Mais je l'ai entendu, mais... Il n'y a rien de spécial, je vois rien. Non, bah c'est gaffe. Je vais pas allumer d'allumette pour éviter de... Non, 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 mais parce que tous nos dangers, là... C'était quoi? Ah, il y a ça, bon, en tout cas. Oui, je sais, je l'ai vu. Ok. C'est celui-là. J'espère que ça n'attire rien en même temps, par la même occasion. Ça serait bête. Ok, là, tout va bien. D'un côté, ici, il n'y a que des rochers et des arbres. J'aurais vu le géant. Ah, ok. Il tape sur le mur ou quoi, je sais pas. Mais je suis entre deux parois créées par l'homme, en tout cas. Ok, non, il est là. On peut voir sa tête ici. Ok, donc le géant se balade dans la map. Qui au final n'est pas si géant que ça. Je vois le symbole. Le géant est derrière, je le sais bien. Alors vite, se dépêcher. En espérant qu'il était seul quand même. Vite. Allez, vite. Hop. Voilà, c'est bien. Je fais le tour histoire d'éviter de me frotter au géant. Mais c'est quoi que j'entends à chaque fois? C'est pas si. Ou il lance des rochers ou quoi? Ça fait pas toujours des rochers ici. Il y a pas des panneaux. Ah oui, mais c'est génial aussi. Quoi? Ben je vois qu'il va falloir que je vais pas savoir. Mais si, mais tu contends le rocher, non? Il est où? Il est là. Donc. Ah! Et quand le mec il décalait par le géant. Faux. Mais c'est le N d'abord. Ouais. Faux. Fop. Voilà. Oui, mais en attendant, au moins, heureusement que tu l'as lu, ça m'a permis d'aller plus vite. Vite. C'est bon, ici je suis en sécurité. Ouais. Non, je suis pas en sécurité. La musique me dit pas de sécurité. Il y a une touche pour regarder derrière, je sais plus. Oh bah non, Quoi? C'est fait exprès, d'accord. je le sentais parce qu'il n'y avait pas d'autre accès, donc je me dis, tout va bien, c'est fait exprès. Oh ouais, alors en plus avec la femme qui allume comme par hasard une allumette sans que j'aie cliqué sur la touche, excuse-moi, mais c'est fait exprès. Oh ouais. Je peux allumer? À part ça, comment bien faire? Ah oui, cette fois-ci. Toi qui disais qu'il n'y aura pas de géant, machin, bah du coup... J'espère que j'ai vérifié le paquet d'allumettes. Il en reste combien? Ouh, 4. Ah oui, effectivement, je suis un petit peu à court d'allumettes pour l'instant. Mais par contre, il y avait une touche, non? Pour... pas de genre petit. Merde, je viens de courir. Attends, il y a une touche, je sais, c'est pour regarder derrière. C'est quelle touche pour regarder derrière quand on court? Contrôle. Basculer, interagir, courir, oui. Accroupissement, espace. Regardez autour de vous, accroupissement. Ouais, on peut jouer à la manette, forcément. Interagir, éteindre. Bon, bah. Il n'y a pas l'air d'avoir de touche. Je suis complètement fou, en fait. Bah, non. Si, il y avait une touche pour non. Regarder derrière. Je pense pas. Franchement, je ne sais pas non plus. Non, c'est sérieux. Je vais devoir faire cette
ce passage-ci maintenant. C'est quoi? Fonctionne pas. Que c'est étonnant. Inflammable, d'accord, on fout le feu, d'accord. Direct, boum. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Les punis. Ah, il y a quelque chose. Chut, ils peuvent vous entendre. D'accord. Ils ont été emprisonnés profondément sous la terre et leurs âmes se sont déformées encore plus. Et ils ont succombé au mal tous ensemble. Dans l'obscurité, leurs yeux se flétrissaient et ils apprirent à écouter les murmures de la montagne. D'accord, donc il y a des petites bestioles qui entendent très bien et qui vont nous pourchasser. Putain, non. Papa pleure. Ah, c'est parti, on fait une hémorragie, là. Oui, non, mais il pleure du sang, c'est pas grave, ça. Ah, il y a des allumettes, non? Non, c'est... Ah, ça, c'est des allumettes. Des allumettes! Ouh, le paquet! T'es bon. Les gens contents d'avoir des allumettes. Bon, il faut les deux symboles. C'est quand même, le jeu n'aura jamais été aussi heureux d'avoir des allumettes de toute notre vie, hein. Donc, on a... La guérison, elle tomba profondément amoureuse du faux dieu et sa corruption coula à travers elle, lui donnant de l'influence sur elle et sur ses pouvoirs qu'il contrôle de sa propre volonté. Ah ben tu vois, regarde, le violoncelle, c'est la guérison. Ah ouais. Donc en bref, oui, il va réellement me soigner si je lui donne l'art. Mais c'est une créature bizarre. Attends. J'ai cru voir quelque chose bouger là. Je deviens peut-être fou. Ah oui, mais je sens venir le coup là. Ils entendent les murmures de la montagne. C'est-à-dire que dès que je vais enclencher la harpe pour faire le symbole, automatiquement, vu que c'est de la musique, ils vont l'entendre à crever et venir me pourchasser, c'est ça? Allez, qu'on rigole. Bah oui, j'ai pas le choix donc. Eh, hey, surprise. Y'a rien, non? Bah fais quand même gaffe à toi. Ok, il faut que je monte là. Dans le silence du coup. Oui, mais j'ai essayé d'écouter voir si. Bah ça va pour l'instant, il y a pas trop de danger, mais je vais me taire parce que généralement. Oui. Ouais, vaut mieux taire désormais. La dernière fois que j'ai dit ça, il y a un géant qui est apparu de nulle part. Hein. Donc évitons. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas d'allumette? Je suis déçu. Ça va, t'as eu un paquet d'allumettes. Papa dit que nous rentrerons bientôt à la maison. Ah. Ah oui, mais c'est des enfants en fait. C'est ça les décès des enfants en fait, c'est les punis. Ah, Dissir, les laquais de Norn. Un Dis, un esprit féminin des morts, est un esclave du destin. Ils sont sous l'influence des Norn, accomplissent leur méchante volonté et veillent à ce que les fils de la vie soient filés comme le désirent les trois. Ouais, bon, en bref, c'est pas bien, c'est négatif. C'est pas bien. Je n'aime pas. Où est là? Ah, c'est là. Ne courons pas. Je veux sortir. Ben moi aussi, j'aimerais sortir. Si je trouve la sortie, je te le dis. Hein. Et comme ça, tu ne me manges pas. On est d'accord. On fait un miami. C'est le meilleur remède contre les créatures. C'est faire un miami avec eux. Regarde le géant. Ben lui, il veut juste me manger. Je le laisse me manger. Il ne me fera plus de mal. Ça, c'est logique que tu seras bouffé. Ah. Un anusso. Hein? Ah! Non, c'est cool! Par contre, tu me bloques un petit peu le passage, je pense. Oh non! Bah, désolé! Désolé, mais c'est. Je dois passer. Bah, mais on va par où alors? Je pense qu'il faut quelque chose pour allumer parce que l'allumette seule tu ne devras pas. Si, je vais t'allumer. Tu seras libéré de l'arbre et ton bébé aussi. Ne t'inquiète pas. Vous serez enfin en paix. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Oh, bonjour toi. Comment t'as fait ton compte pour te retrouver dans le rocher là, comme ça? Aïe. Alors là,
Ils ont trouvé papa, je n'avais pas le droit de regarder. Ah ben, je crois qu'il manque quelques membres, non? Ouais. Bon, j'ai beaucoup d'allumettes, ça va, je peux y aller. Ok. Oh, génial, un panneau. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Rappelez-vous, toutes les pièces de rechange sont conservées. Ok. Allumettes. 4 allumettes en plus. Il manque un objet pour activer le générateur. Et je parie que c'est là. Oh, c'est... Ah, le symbole est là, je pense. Comment je fais, moi, mon compte? Il manque une pièce et je l'ai pas, moi, la pièce. On doit redescendre tout. Ouh. Je vais peut-être regarder vers le bas, hein, moi, histoire d'éviter de tomber dans le vide. Eh ben, j'ai pas le choix, hein, madame. Il faut que je trouve quelque chose pour t'allumer. Regarde, même ton bébé, il demande. Bébé, il pleure, je sais tout. Ah, mais c'est horrible, on doit la brûler. Mais d'un côté, je me dis, au moins, elle sera libérée de cette malédiction de l'arbre, de la folle d'aigle. C'est quand même connasse, le bébé qu'elle a. Oui, non, mais c'est un arbre, le bébé. Bah oui, mais quand même. C'était un bébé. Elle a mordu un bébé, la mère. Non, c'est pas la mère qui a... C'est la... La folle d'aigle a mordu la mère et le bébé. Ah oui. Ou C'est alors bien. elle a mordu que la femme, et vu qu'elle tenait le bébé s'est transformé en arbre aussi, possible aussi. J'en suis vraiment... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Merde! J'ai pas fait attention. J'ai rien fait. Ah d'accord. On peut constater qu'il y a des conserves un peu partout. Et ben c'est ça en fait les. Du bruit fait. Il faut éviter de faire du bruit avec les conserves. J'ai récupéré, je ne sais pas trop quoi parce que je vois rien. En tout cas les conserves il faut éviter parce que j'ai vu qu'il y avait des conserves que j'ai basculé et il y a quelque chose qui a rouspété. Non, ça c'est une casserole. Bon, gros, t'as pas le choix de la brûler, quoi. Ouais. Ouais, mais il faut que je trouve quelque chose. L'allumette, c'est pas bon? Non, non, l'allumette n'est pas suffisante. Regarde, il y a un chemin ici, mais il y a les casseroles. Voilà. Là, il y a quelque chose. C'est là que je... C'est de ici que je viens, en fait. J'ai juste eu de la chance de ne pas passer sur les conserves en fait. Ah oui. Sinon, j'étais dans la merde. Bon. Où sommes-nous exactement? Il faut oublier quelque chose. Mais ça, les conserves ici, ils servent à quoi? Parce que là, c'est fait pour nous. Nous ennuyer là, c'est fait pour nous emmerder. Mais si on peut passer partout. Fonctionne toujours pas ça? Non, ben non, forcément il n'y a pas de courant. Et toi, est-ce qu'il n'y a pas moyen de descendre? Il faut peut-être activer le courant à la place de brûler la femme, non? Oui. Le courant, il faut l'activer avec une pièce qu'on n'a pas et qui n'est pas ici à proprement parler. Donc, il faut brûler la Tu femme penses pour qu'elle serait dans pouvoir le chemin? aller dans le chemin là où il y a la pièce. Ah, il y a une. J'ai bien fait de suivre. Voilà, c'est étroit dit. On n'a pas le choix. Si on veut notre pièce de rechange, il faut y aller. C'est joli les lumières sur les roches. Bon, on suit les câbles. Ok, ils sont sûrement ici, les créatures enfants. Je vais les appeler comme ça, moi. Parce que j'ai pas retenu. Les punis, voilà. Ok, ça s'enfonce dans le sol.
Est-ce que ça ressort quelque part? Oui, je pense par ici, non? Ok, donc. Ah! Attends, c'est pas. Non. Ok, bah c'est le même chemin que là en fait. Allez doucement quand même, pour éviter de basculer quoi que ce soit. Bah, j'ai tout de l'allumette. On a suffisamment d'allumettes pour dire Bah oui, de. je pense aussi quand même. Ok, ah là ça s'enfonce, j'ai pas envie de m'enfoncer. Dis donc que c'est par ici, non? Bah, je sais pas. Bon, on va dire que c'est par ici parce qu'au moins on ne descend. On ne descend pas plus bas. Je vois de la lumière, donc tout va bien. Un petit truc de rechange, s'il vous plaît. Je suis quasi sûr que c'est pas naturel, ces roches-là, lumineuses. J'ai peur de la musique. Boing. Ah non, de l'eau. J'ai pas envie d'aller dans l'eau, moi. Mes allumettes, elles vont s'éteindre. Elles ont pas trop de soucis, à ce que je vois. Hein. Les allumettes, non. Ok, il faut bien aller par là. Par contre, on me rassure sur le fait qu'il n'y a pas de créatures aquatiques quand même. Ah, le câble. J'ai retrouvé le câble. Parfait. On suit le câble, on ne regarde pas tout droit devant soi, hein, ça ne sert à rien de regarder devant soi. Je rallume. Et on y va. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Merci. Où est le câble? Il est là. Boing. Oula, mais de la fille, elle est brûlée ou quoi? Alors là, on avance. Derrière ta mère. Oui, je l'ai vu, j'ai vu. Oh, c'est affreux. Alors là, ok, ça passe là. Donc nous, on est obligé de passer en dessous. C'est par où? Droit devant? Je sais pas, je dirais droit devant vu que le câble avait l'air de continuer. Oui, on a quelque chose ici. Et des allumettes! Vive les allumettes! Les allumettes, c'est la vie! Bon, un bon petit paquet. Nuage de lame de rasoir. Ouh! Le natram est une. Natramn est une créature avec des griffes acérées et un bec extrêmement dangereux. Ils peuvent être très dangereux, en particulier en grand nombre. Ouais, donc en bref, c'est des piafs. Agressif. Bah, c'est des piafs quoi. Des oiseaux. Des piafs, ok. Des piafs. Un oiseau est quelque chose de réel, tu vois. Un piaf, c'est quelque chose d'irréel, tu vois. Ouais. Ah bah le câble est là, en fait. Bon, je sens venir l'attaque des oiseaux là, tu vois. Qu'il va falloir être en dessous d'objets ou de table. Oh! Non, 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 avance pas! Oh, c'est cramu la main! Attends, est-ce que ça se recharge? Si je me souviens bien, la santé se régénère petit à petit. Ça se recharge. C'est bon, je peux avancer, merci. Ah oui, je vois de nouveau clair. Oh, je l'ai vu en plus et je continue d'avancer, moi. On va peut-être attendre, hein, parce que s'il y a encore un truc du même style, je vais mourir, moi. Donc, effectivement, les lumières ne sont pas naturelles du tout. Mince, le câble. Où est-ce qu'il est? Je le vois. Je le vois là, mais. Ah non, c'est même pas le câble. Ah, il est là. Allez, on y est presque. Allez, courage. Bon, on se fait un marathon entier là pour réussir à choper une pièce de rechange. Je rappelle que c'est juste pour une pièce de rechange.
Bobby a été autorisé à venir avec. Oh, il est mignon, le chien. Il a un arc, c'est ça, le chien aussi. Ah, ça serait drôle. Ah non, non. Ah si, ça serait drôle. Mais t'es méchant. Mais non, mais ça serait drôle. Franchement. Ça c'est. Je ne peux pas dormir, il cherche. Non, mais s'il y a quelque chose qui. Ah, j'aime pas ça. Ceux qui marchent entre eux, à moitié morts et à moitié vivants, ils demeurent abandonnés dans les endroits profonds et cachés, dans les zones où le voile entre le monde est le plus mince. J'ai une mini crise cardiaque avec l'allumette qui s'est éteinte. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui approchait derrière moi ou quoi. Ah. C'est fait exprès en fait. J'aurais pu l'allumer avant. Labyrinthe et rituel en Scandinavie. Bon, ici, il n'y a rien d'autre, je pense. Hein. On a régénéré. Réactiver le courant. On peut retourner en arrière. C'est sérieux, ça ? D'où, celui-là ? Ok, bon, c'est génial parce que en fait, je suis certain qu'on va devoir surfer le chemin inverse, mais avec ces trucs-là qui nous pourchassent. Plus la main, c'est ça la qui ressort de nulle part. Non, la main, je pense qu'elle n'y sera pas vu que c'est eux, la main. Ok, je connais son chemin. C'est... Ok, il rentre. Il va ressortir par là, je pense. Je fonce. Je ne vois rien, mais j'avance. Allez, vite. Voilà. Pas de main, cette fois-ci. C'est bon, il n'y a pas de main. Ok, il suffisait juste de rester caché. Et il repartait d'où il venait. Ok, maintenant que on connaît le chemin... On remonte. Non, là, c'est les oiseaux. J'aime pas la musique. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a rien. Ah, c'est là. Oh, s'il vous plaît, pas quelqu'un qui va me pourchasser, au moins. À la limite, un qui apparaisse dans les failles... Ah, j'ai vu un mot, non? J'ai pas vu de mot. Ok, là, c'est rien. Là, je sais que c'est un cul-de-sac. Et ça se voit un petit peu. On se dépêche un petit peu quand même. Boing. Hey. Oh non, s'il vous plaît, pas ça dans l'eau, hein, par contre. Je ne supporte pas les créatures dans l'eau. Il y a un autre jeu d'horreur qu'on fera peut-être en vidéo pour ceux qui le demandent. Et c'est Amnesia. The Dark Descent et Amnesia Machine for Bix qui était offert gratuitement, donc on en a profité. Donc pour ceux qui voudraient qu'on le fasse en vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire que justement dites non, on ne le fera pas. Dites qu'on ne le fera pas et c'est bien, c'est très bien. C'est très bien aussi, hein. Je suis pour le fait de ne pas le faire. On fera d'autres jeux qui sont très bien aussi, tout aussi très bien. Ouais. Alors j'ai vu qu'il y avait eu une sauvegarde automatique. Rien à foutre, je cours. Il est où? Il est parti. Oh, il est là. Ah oui, je comprends mieux le à moitié vivant, à moitié mort. Bah on voit qu'il est à moitié vivant le bas et le moitié mort au-dessus. Par contre, s'ils sont deux, je rigole. Rentre dans le mur, monsieur. Non, rentre dans le mur. Le mur, il est bien. Il est brillant. Non, viens pas vers moi, Coco. Bouge pas. Je fais le tour. Oh, s'il te plaît. Va dans un mur. Je vais pas ressortir par là encore. Cours. Cours, il ne saura pas passer par là, s'il te plaît, avance plus vite. C'est bon.
va bien. Par contre, je pense qu'il y en aura plus ici, vu que... Ah si, il y a une lampe là. C'est enfin une... Et ça a sauvegardé, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette cinquième partie de Unforgiving. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ah non, mettre un petit ou un gros commentaire pour nous dire ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes nos anciennes et nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager un maximum sur tous les réseaux sociaux et avec bah, tout le monde tout simplement. Et on vous dit à très bientôt, portez-vous bien. I'm